Don't you know? Don't you know, pump it? You got to pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Yeah.
Liftoff. We have a liftoff. Je crois que j'ai fait la pire intro possible. Désolé pour le retard. Je vais manger des crêpes. C'était bon. Vous avez vu cette vidéo comme elle est drôle? Oh, elle m'a tué. Et ça fait 10 fois que je la regarde aujourd'hui. Elle m'a tué, vraiment. Elle est trop drôle. Salut à tous. Désolé pour le retard, les gars. Je mangeais des crêpes. Les crêpes avant le stream. Dites-moi si c'est bon au niveau de l'audio, au niveau de la vidéo. Normalement, c'est bon. Salut ou sucré, salé, c'est trop bon. Tu mets gruyère, jambon. J'adore ça. Ou alors un petit œuf aussi, c'est bon. Mais bon, ça fait beaucoup. Désolé pour le retard, j'ai des crêpes. Au moins, j'avais une bonne excuse. T'as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Le Dogecoin va monter? Ah, je sais pas. Ça va tout dépendre d'Elon Musk, mais je pense pas. Pump it, mais est-ce que vous avez vu cette vidéo? Vraiment, elle m'a tué. Le passage. Déjà, il y a Elon Musk. Mais là, ce passage. Je sais pas qui c'est, lui, à gauche. Mec, lui, c'est Jack Dorsey, c'est le patron de Twitter. Et là, ils ont mis le Dogecoin. Oh, mais ça m'a tué. Ici. The pump it up. Regardez après. Ils ont mis GameStop. Ah non, ça, c'est les frères Winklevoss. C'est ceux qui étaient à l'origine. Eux, ils avaient créé Facebook. Truc de ouf. Mais ils se sont fait piquer l'idée par Mark Zuckerberg. Du coup, ils se sont fait douiller. Ils ont pris, je crois, 62 millions de dédommagement. Ils ont tout investi dans le Bitcoin, genre, à l'époque. Et c'était en 2011. Même pas. Ouais, même pas, c'était en 2003. Mais après, ils ont réinvesti dans le Bitcoin, en tout cas. Et vu qu'ils ont investi plusieurs millions, après, ils ont tapé, je crois que c'était les premiers milliardaires en Bitcoin. Hallucinant. Truc de fou. Eux, c'était sûr ils allaient devenir riches. Ils avaient déjà de base créé Facebook, ça n'a pas marché, et par suite, ils sont mis dans le Bitcoin. Et là, ils avaient dit une news il y a 6 mois, ils avaient dit que pour ce bullrun, ils pariaient plus sur Ethereum que Bitcoin. En tout cas, c'est intéressant, et eux, ils sont balèzes. C'est pas des guignols. Et du coup, ma vidéo, il y avait deux. Lui, c'est GameStop. Vous connaissez, c'est enfin GameStop, qu'est-ce que je raconte, c'est Wall Street Bet, c'est un compte Twitter, puis c'est aussi un compte, comment ça s'appelle, Reddit, où ils ont fait le short squeeze sur l'affaire GameStop. Et bien sûr Elon Musk est partout, ça je crois, il me semble c'est le loup de Wall Street, ça, il me semble. Elle m'a tué cette vidéo. Celle-là aussi, elle m'a bien fait rire. C'est tellement vrai en plus. Avec le dollar, on achète de moins en moins de trucs. Avec le bitcoin, ça augmente. Avant, on pouvait s'acheter même pas un caddie. Maintenant, on peut s'acheter une Tesla. Genre, c'est fou. Oh, mais c'est cool, vous êtes nombreux quand même. J'ai même pas parlé du live, j'ai rien parlé. J'ai sorti comme ça au pif. Vous êtes quand même 500 à venir, c'est fou. Ben salut à tous, on va parler un peu de... Parce que là c'est très intéressant, hein. Ce qu'on a au niveau de l'analyse technique c'est très très intéressant, vraiment. C'est plutôt bon, hein. C'est plutôt bon signe. Sur Swissborg, ça met combien de temps à créditer? Ça dépend de ta banque aussi. Je sais qu'avec N26 parfois ça met un jour, et Crédit Mutuel, ma deuxième banque, ça met parfois 3 jours. 6 jours là, ça fait quand même longtemps, hein. C'est bizarre. Salut Pile, salut à tous. Salut à tous les nouveaux. C'est quand le procès USDT, je crois que ça arrive dans les prochains jours, bientôt. Ça va bientôt arriver, à mon avis. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, bah oui, on va aller sur Bitcoin. Est-ce que vous voyez bien? On va mettre un peu de musique. Pas trop fort, hein. Comme ça, il me semble que c'est pas mal. Dites-moi si c'est bien au niveau de la musique, parce que j'ai vu la dernière fois dans un rediff de live, c'était un peu trop fort. Faut pas que ce soit trop fort. Là, je pense que c'est good. Tu es sur la Binance Smart Chain. Alors, j'ai investi dans des projets de la Binance Smart Chain, comme par exemple CakeSwap, mais j'ai jamais testé encore. J'ai pas encore fait de transactions et tout sur CakeSwap, j'ai jamais trop testé. Moi, je suis plus un investisseur et j'essaie de trouver, enfin, investisseur trader, j'essaie de trouver les bons tokens pour faire une plus-value, mais tout ce qui est technique, si tu veux aller trifouiller dans la blockchain, tout ça, ça m'intéresse un peu moins. C'est pas mon truc de prédiction, entre guillemets. J'entends pas de musique. Ah ouais? On va augmenter alors. Là, normalement, c'est bon.
Là, normalement, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mis en plus ce petit effet là. Il est bien ce petit effet. En tout cas, ouais, niveau graphique, c'est incroyable ce qu'on a. On va aller voir. Ouais, pour la musique, on va en mettre comme ça, je pense que c'est bon. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Hop. Regardez ça comme c'est beau. J'ai cru qu'on n'allait pas le faire. Hein. Quand on a commencé à casser le biseau là, j'ai eu peur. Parce que, après on a fait une grosse bougie rouge, on était très mal parti, mais faut pas paniquer en vrai dans ces moments-là, faut juste être patient, attendre. Et après voilà, ça casse au niveau de la hausse. Là on est vraiment très bien parti. On va voir la clôture ce soir daily, mais normalement il y aura pas de surprise. Je vais pas dire à 100% sûr, mais je suis à 80% sûr que ce qu'on va faire durant les prochains jours là, jusqu'à la fin de la semaine, c'est monter 55 000. Et après pourquoi pas retracer le chemin puis monter aux 60 000. Il y a vraiment très très peu de chances qu'on casse un biseau ascendant en plein bull run, qu'on monte et finalement on se retourne. Franchement, en termes de probabilité, je serais sur le cul, clairement. Là, il y a toutes les chances qu'on monte. Je crois que j'ai placé un petit trade sur Femex cet après-midi, à la cassure du biseau. Ouais. Ça, c'est un petit trade court terme. Et c'est pas du tout là-dessus où je gagne vraiment mon gain par, entre guillemets. Là, c'est juste je prends énormément de risques avec un faible capital. Enfin, un faible capital de mon pourcentage. Là, j'ai mis un trade à 650$ avec levier x10. J'ai mis levier x10, les gars, c'est énorme. Levier x10, je sais pas si vous rendez compte. Mais j'ai abusé, vraiment. Et pour l'instant, mec, c'est hallucinant, quoi. Je fais à peine 1,6% de gain, ça fait 16% direct. Ça fait direct 100%, 100$ de gain, c'est hallucinant. Et du coup, je vais vous monter le profit aux 5 500$. Je crois que je gagne 400$ s'il monte à 55 000. Et j'ai mis mon stop loss juste en dessous. Comme j'ai dit en vidéo, en fait. Ah, je l'ai peut-être pas dit en vidéo, je sais pas si je l'ai mis. Alors, en fait, j'ai mis mon stop loss ici, mon take profit là-haut, et je me tâte à mettre... Ah non, mon take profit, je l'ai mis ici, aux 55 000. Je me tâte à mettre mon take profit aux 20 000, aux 60 000. C'est plus risqué. Oh, mais par contre, je peux gagner bien plus. J'ai mis ici... Ah ouais, 20%. 20% x 10, ça fait 200%. 200%, c'est x 3. Donc, 650 x 3. Ouais, ça fait 2 000$ de gain. Après, faut le faire... Faut pas faire par rapport à... faut pas faire par rapport à la à, comment je pourrais appeler ça, la mise, le prix en fait. Faut que vous fassiez par rapport à pourcentage. Ça c'est vraiment important. Là j'ai mis 650$ et ça peut être un, par exemple, ça peut être 100, ça peut être par exemple 50% d'un portefeuille de quelqu'un qui est dans le chat. Mais si par exemple vous avez 1000, je sais pas comment exprimer, mais si vous avez par exemple 1000$ de capital, ne mettez jamais 650$ dans un trade. Clairement. C'est du suicide. Là, clairement. Il faut gérer son risque. Et celui-là, au début, moi, quand je commençais à mettre mes trades, bah, c'est pas grave. Si j'avais 100$ de capital, eh ben, je mettais, sur ce genre de trade très risqué avec levier x10, je mettais 1$. C'est tout. Il faut mettre vraiment un pourcentage de votre capital, un petit pourcentage. En tout cas, c'est cool. Et ça marche plutôt bien, je suis plutôt confiant pour ce trade. Puis même s'il passe pas, au pire, je me fais prendre mon stop loss et je perds pas énormément. C'est très peu en termes, je crois que c'est 2% à peine. Après, il y a le levier x10, mais ça fait à peu près un peu moins de 20%, je crois. Mais bon, par rapport... En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le ratio, si vous voulez. Le ratio de gain. Et je vous conseille d'aller dans position longue, ici. Vous mettez, donc moi, j'ai pris mon long ici. Mon stop loss est ici. Et ma target est aux 56 000, à peu près, 55 000, tu vois. Vous voyez. Et du coup, ça fait 10% de hausse si mon trade part du bon côté. Pour 2% de perte. Donc ça me fait un ratio de 4. Vous voyez, ratio risque-récompense de 4. Plus votre ratio est élevé, plus ça veut dire ça vaut le coup. Parce que votre risque est très faible par rapport au gain. Donc ça, c'est important. Ça, faut bien le mettre en place. En tout cas, c'est cool. Et j'ai toujours aussi mon... Ça, c'est des trades un peu plus gros. Sur Bybit. Où en fait, j'ai mis deux gros trades. Combien j'avais mis? C'est chiant parce que ça bouge tout le temps. Il me semble que j'avais mis 6 ou 7 000$, vous voyez que je suis déjà à 13 000, c'est un truc de fou, ça monte trop vite. Ça c'est les gains que j'ai fait du coup, 5 000 sur BTC, en fait j'ai mis un trade levier x2 sur Bitcoin, et un trade levier x2 sur ETH. C'est chiant parce que j'ai pas la mise de base.
J'ai pas la mise de base, ça c'est chiant. Mais je peux juste voir comment j'ai gagné ça, c'est chiant par contre. Ça j'aime pas sur les bits. Du coup, là je suis sur Bitcoin. Vous voyez que j'ai pris mon trade ici et je l'ai même pris beaucoup trop tard. Et je voulais le prendre à 30 000, finalement je l'ai pris vers les 34 000, 35 000. Donc au final, je suis ultra large parce que j'ai une liquidation qui est très basse. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dès que ça monte, vous voyez là, depuis mon trade, on a fait à peu près 46% de hausse. Mais vu que j'ai mis un levier x2, ici, du coup, ça multiplie ça par 2. Donc c'est vraiment intéressant. Et surtout après, quand vous mettez... là, par contre, j'ai mis un peu plus de mon capital. Parce que c'est beaucoup moins risqué. Jamais je mettrai un gros pourcentage de mon capital sur un trade x10 comme ça. C'est de la folie. Vraiment faire par rapport à votre capital. C'est très important, ça. Vraiment, la gestion de votre capital, c'est ce qui fait tout. Hein. Clairement. Et là où on perd au niveau du trading, c'est quand on prend de trop gros risques par rapport à la gestion de son capital. Et ça m'est arrivé plein de fois. Bon, en fait, je faisais plein de bons trades, j'enchaînais et tout. Je me croyais comme le roi du pétrole, trop fort. Et puis après, je prends un trade qui est démesuré, enfin, qui est trop élevé par rapport au risque habituel. C'est-à-dire que je mettais trop de mon capital ou alors un levier trop élevé. Et du coup, là, ça pardonnait pas, je me faisais assommer et c'est foutu, quoi. Et le problème, c'est que plus vous allez gagner, plus vous allez voir surenchérir. Et au bout d'un moment, ça passe pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester terre à terre, rationnel, et toujours rester dans les risques, en fait. Et comme moi j'ai mis mes leviers x2 là sur Bybit, sur Bitcoin et ETH, si ça descendait et on avait un flash crash, c'est pas grave. Parce que c'était compris dans ma gestion de risque, et au pire je perdais un pourcentage de mon capital, mais c'était pas dramatique. Et c'était compris dans mon profil investisseur, entre guillemets. C'est le levier de 3 max pour moi. Levier x3, c'est pour le long terme. En fait là, les trades que j'ai mis sur Bybit, c'est vraiment pour du long terme. C'est pour tout le bullrun. C'est-à-dire, je vais le revendre à la fin du bullrun. Ça va être énorme. Hein. En termes de gains, ça va être énorme, clairement. Parce que là, sur Bitcoin, on peut faire un x4. Mais du coup, vu que c'est levier x2, ça va me faire du x8. Donc, je sais plus combien j'ai mis. J'ai dû mettre 8000 euros, je crois, sur ce trade. 8000 dollars, un truc comme ça. 7000, je sais plus. Mais du coup, 7000 x8, c'est énorme. 56000. Sur Bybit, je vais avoir plus de 200 000 euros, peut-être de... Non, peut-être pas. Peut-être 150 000. C'est énorme. Et ça me fait peur parce que avoir 150 000 par exemple sur une plateforme d'échange comme Bybit, si elle se fait hacker ou il y a un problème, bah tu perds tout. Alors que Ledger, c'est différent. Donc ça aussi, il faut en prendre compte. Merci Inorev pour ton sub. En termes de frais, ça va, Bybit, c'est très correct. Le mieux en termes de frais, c'est PrimeXBT, c'est moins cher. Et PrimeXBT en plus, vous avez les codes. Si vous allez en dessous du live, vous avez différents codes et vous avez un code, ça réduit en plus de ça vos frais de 50%. Donc c'est ridicule après. Itoro, ah ouais, Itoro, je déconseille. Vraiment, Itoro, je déconseille. Ils ont un très bon truc de parrainage, ils m'ont déjà proposé. Itoro, ah Itoro, si j'en avais fait la pub, je vous promets les gars, couille en heure. Non, je rigole. Mais Itoro, je crois, ils ont un des trucs les mieux parrainés en fait. Si tu fais de la promotion de leur site, t'es ultra bien parrainé. Mais c'est tellement de la douille que faut vraiment pas avoir d'estime pour faire de la pub de Etoro. De toute façon, si vous voyez un mec faire de la pub pour Etoro, mais fuyez, clairement. Fuyez Etoro et fuyez le mec aussi. Parce que ça veut dire qu'il est pas fiable. Mais je suis satisfait en vrai, parce que... Enfin, je suis content parce que, regardez, dans la communauté francophone, au niveau crypto, il y a personne qui fait de la pub pour Etoro. Et ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. CHSB, qu'est-ce qu'il nous fait? Il crache un peu. Ah ouais, moins 5%. Ouais, mais toi, ça reste dans sa consolidation, regarde, en daily. Tu vois, ça bouge pas quoi. Ça fait du vert, du rouge, mais regarde ici, tu vois, genre on est descendu très fort, on a fait une mèche qui est descendue d'un seul coup. Genre en une journée, on a fait moins 39, moins 40%. Je sais pas si tu te rends compte. Moins 40%, on était quand même en consolidation. Donc tu vois là, CHSB, cette nuit il peut descendre ici. C'est pas grave, parce qu'il remontera, il va faire une grosse mèche, puis il va continuer à consolider. En tout cas, CHSB, wow, comme il est intéressant. Ah, je recharge là. Je recharge. Même si je pense que Bitcoin va commencer à superformer les altcoins, je recharge. Il y a le cake aussi là. Cake swap. Oh là là, 40, 47%. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je suis tellement content d'avoir rentré dessus. D'être rentré dessus. Ah, je vous cache pas que c'était dur de rentrer dessus parce qu'après 1000% de hausse, mais là c'est pareil, pour rentrer là-dessus, c'est impossible. Franchement, si vous voulez rentrer, là c'est trop tard, les gars. Au niveau du court terme, hein, vraiment, attendez. Est-ce que vous voyez que dans le passé, à chaque fois qu'on rentre trop fort, c'est pareil, on corrige. Donc là, on peut continuer à monter, clairement, mais on peut aussi se retourner maintenant. Donc attendez un retournement, attendez un moins 20%, moins 30%. Et moi, je suis rentré ici parce qu'on s'est pris à moins 30%. Du coup, j'ai pas hésité. Viens de voir combien ça fait.
Putain, 100%, mais c'est un truc de fou. J'ai fait 100% de gains là, en même pas quelques jours. Le problème, c'est que j'ai mis un petit pourcentage de mon capital. Je suis dégoûté, j'aurais dû mettre plus. Oh, le BNB aussi, c'est incroyable. En tout cas, tout ce qui est Binance Smart Chain là et tout, c'est hallucinant. Ils sont en forme. ETH, il ne fait pas grand chose, mais surveillez le ETH. Le Crow aussi, qui est ultra intéressant. Il y a tant de trucs à dire. Qu'est-ce qu'il nous donne? Ben, je suis toujours haussier, tu vois. Le seul problème, c'est que je sais pas s'il va réussir à superformer Bitcoin durant la phase là qu'on fait. Mais en tout cas, au niveau de la configuration, on peut pas être mieux, quoi. Parce que tu vois, on fait une belle ta séance, donc Ben, c'est très très positif, clairement. On fait une belle ta séance, il y a aucune raison qu'on monte pas. Après, c'est pareil, tu vois, faut vraiment avoir une perspective moyen terme sur ce genre de pattern. Et on peut très bien baisser, comme tu vois, je l'avais déjà dit dans le passé. Tu vois, là, on avait baissé pendant 5 semaines d'affilée. Et finalement, on était toujours en pattern haussière. Donc là, tu vois, il peut se passer la même chose, c'est-à-dire que là, on peut avoir une Bitcoin season où Bitcoin superforme les altcoins et Ben, pendant 5 semaines, il stabilise, il descend, tu vois. C'est possible, hein. Et c'est long, 5 semaines, hein, c'est long. C'est-à-dire que jusqu'au mois de... Allez, on va dire avril, tu vois, début avril, il peut faire que consolider et descendre. Donc, tu vois, ça te paraît hyper long. Et la plupart des gens, ils vont sortir. Et finalement, ça va se reprendre, tu vois. Et finalement, la tendance au long terme, elle sera toujours haussière. Même s'il y a une petite baisse ici, tu vois. C'est comme ici, tu vois. C'était baissé pendant plus d'un mois, mais finalement la tendance long terme était toujours haussière. Donc Ben, ouais, je suis aussi à moyen long terme, mais au niveau du court terme, c'est compliqué. Dot, XRP, GRT, Riff, oh mais Riff, je le vois de partout, c'est un truc de fou. Inch, ouais, Inch est vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que là, on part en Bitcoin Season, les gars. J'ai l'impression, c'est juste mon pressentiment. C'est juste ma maigre expérience du marché qui me fait dire ça, parce que cet indicateur je le suis depuis longtemps et franchement il a toujours été très très pertinent. Et là on se rapproche du 67, on peut clairement monter vers les 75, même voire plus. Tout est possible, hein. Clairement tout est possible dans ce marché et on peut monter clairement plus haut au niveau de l'indicateur. Et du coup là, pendant une semaine, deux semaines, on peut avoir les altcoins mais on fire clairement et qui pète tout et qui explose le Bitcoin. Mais au bout d'un moment on va forcément se retourner, c'est obligé. C'est obligé. Donc, personne ne sait en fait quand ça se retourne. Soit ça se retourne maintenant, soit ça va se retourner plus tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir par palier. Et... Donc, il y a les altcoins qui sont très intéressants. Ouais, mais si le Bitcoin plonge, tout le monde plonge, quoi. Ça, c'est un problème. Enfin, pas le Bitcoin plonge, mais si le Bitcoin part en Bitcoin Season, il n'y a aucun altcoin qui va suivre. Sauf certains, mais ça sert à... RSR, ouais, RSR est pas mal. RSR est très intéressant parce qu'il est sorti de son range long terme. Oh, j'ai fait un perfect. Regardez-moi ça. Est-ce que vous savez ça où je l'ai mis? Je l'ai mis lundi dernier, pas ce lundi, mais lundi dernier. Où est-ce qu'on était? Faut que je regarde. Ah, j'ai fait un perfect. J'aime bien laisser les schémas comme ça pour voir si après j'ai juste. C'était le 8. Le 8 en live. On en avait parlé, j'avais écrit ce schéma. J'ai fait ce schéma. Alors le 8, où est-ce qu'on était? Ah ouais, on était là, le 8. Incroyable. Incroyable. Ah, ça, je sais pas si c'était le 8 ou... Mais non, ça pouvait pas être mercredi. Alors, c'était peut-être vendredi. Parce que ça me paraît quand même improbable que j'ai fait pile la trajectoire comme ça. Ça me semble bizarre. C'était peut-être vendredi. Vendredi, c'était le 12. Ouais, c'est ça. Ok, on devait être le 12. Du coup, le 12, vendredi, on était sur cette bougie. Et j'avais tracé ce schéma en disant que voilà, ce qu'on risquait de faire, c'est simplement range là-dedans, casser, et on était ici. Et je vous avais dit, bah, plus probable, c'est pullback pour ensuite repartir. Et là, vous voyez, on fait notre pullback. Franchement, c'est le moment de recharger. Si vous croyez en RSR, c'est le moment de recharger. Là, franchement, on peut pas avoir plus propre, quoi. On range, on part, pullback. C'est très très propre, vraiment. Donc RSR, ouais, c'est pas mal. Je suis content qu'il ait suivi exactement ce petit schéma-là que j'ai fait. Ça c'est positif hein, parce que ça peut partir très fort. Ça peut partir très fort. En plus c'est un long range qu'il a depuis longtemps quand même, depuis janvier. On casse, on break, pull back et on repart. Magnifique. Bon bah, c'est parfait. Hein. Le cours suit les. Le cas de figure parfait. GRT, je crois il avait bien corrigé l'autre jour. En même temps, vu la hausse qu'il a fait, c'est totalement logique
Dès que vous voyez une crypto qui monte trop, rentrez pas dessus, les gars, c'est plus du FOMO. Après, c'est compliqué, hein, vous voyez que quelque soit, puis elle fait 1000%, je suis rentré dessus. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend tellement de choses. GRT, GLD, ça peut être du FOMO, mais quelque soit, par exemple, c'est un domaine qui est en train d'exploser, donc c'est tellement, en vrai, c'est tellement compliqué. Tellement de critères à prendre en compte. Où est-ce que c'est léger? Je me perds dans ma liste, il y en a trop. Ah, elle est là. Ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est le Bitcoin, en fait. J'ai peur que le Bitcoin part en Bitcoin Season et... en Bitcoin Season et que les ATH ils suivent pas. Donc, on va voir, mais là, GRT, c'est pas mal du tout, hein, parce que j'ai l'impression qu'on fait une sorte de double top. Ce qu'il faut regarder, les gars, c'est les bougies, les clôtures de bougies et pas les... pas les mèches, en fait, juste les clôtures de bougies. Donc là, c'est intéressant, parce qu'on a clôturé une fois ici, une deuxième fois ici. Donc on fait une sorte de double top, donc ça c'est plutôt positif, hein, ce genre de pattern. Ouais, j'allais dire il y a un bull flag là, mais pas trop. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est continuer à repartir. Si bien sûr le contexte le permet, quoi. Si le Bitcoin nous fait n'importe quoi, ça va être compliqué. Mais je pense qu'il a déjà fait une bonne correction. Ouais, c'est ça, moins 30%. En vrai, à moins 30%, ça se paye, hein, clairement. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Yard qui a bien poussé. Salut Omelette. Regarde Ethereum, il a cross bullish, ah ouais. En H4. Ah, Ethereum, les gars, faut le surveiller. Quand il fait pas grand-chose comme ça, faut s'en méfier. Hein. Dans le passé, je l'ai vu, ça. Nombre de fois où tout le monde était focalisé sur les petits altcoins, sur Bitcoin... THP, personne n'en parlait, et d'un coup, hop là, il pète et personne ne le voit venir. Le GLD, il est carrément en phase de baisse. Carrément en phase de baisse. Putain, je vais voir quoi déjà? Ah oui, ETH. ETH. Ici. En H4, tu m'as dit. Ah, ETH, ça me déçoit, parce que il avait fait un petit triangle ascendant, là. Il l'a cassé au niveau de la hausse, puis il réintègre. C'est trop bizarre ce qu'il nous fait. Daily, on n'aurait pas un petit truc intéressant? Non. Ouais, ça c'est chaud. Hein. En tout cas, vous voyez que la divergence baissière là qu'on a eu au niveau du ETH, elle a été très bien respectée. Hein. Regardez, on descendait au niveau du RSI, on montait au niveau du cours, paf, divergence baissière. Ça a pris quand même une bonne correction, hein, moins 15%. Mais bon, vu que c'était du court terme, forcément c'était au court terme la divergence baissière. En H4, tu m'as dit. Le MACT est un très bon indicateur. Ah ouais! Ça c'est positif, hein. Ah clairement. De toute façon, moi les ETH, comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, quand on était en triangle ascendant, alors ça remonte un peu quand même, hein. C'était début février. Ah ça remonte, c'était il y a 15 jours, mais bon, ça a tellement vite dans les cryptos. J'avais parlé de ce triangle ascendant et je pensais qu'on allait le péter et partir direct au 2000. Et finalement, c'est ce qu'on a fait, mais là, on monte progressivement, quoi. J'aurais pensé que, personnellement, je pensais clairement que seulement une semaine après la question du triangle ascendant, on serait direct au 2000. Et finalement, on stagne, on traîne. Donc la tendance est bonne, hein, la tendance est tout à fait bonne, et c'est exactement ce que j'espérais, mais ça va pas aussi vite que ce que je le pensais. Ça par contre, c'est dommage. Et je sais pas pourquoi. Parce qu'à mon avis, la Binance Smart Chain, tout ce qui est Binance, DOT, tout ça, ils prennent un peu les devants par rapport à ETH. Du coup, ETH est un peu mis de côté en ce moment. Mais en tout cas, le cross bullish comme ça en H4, c'est très positif. Après, il faut voir en daily aussi. Ah ouais, par contre, tu vois, ça cross bullish en H4, mais en daily, c'est pas top, quoi. Un cross bearish. Là, j'ai plus privilégié le cross bearish en daily que le cross bullish en H4. Plus la time frame est haute, mieux c'est. C'est comme le crawl, là. Le cross bullish qu'on a eu en weekly, franchement, on pouvait pas avoir mieux comme signal. On pouvait pas avoir mieux, clairement. Mais il a mis du temps à se mettre en place. Parce que j'en parle bien depuis au moins 3-4 semaines. Et ça fait longtemps. En même temps, ce genre de pattern, ça met du temps à se mettre en place. Ah ouais, en weekly, c'est magnifique. On avait ça. Là, faut se dire que chaque bougie, c'est une semaine. Et je crois qu'on en avait parlé par ici. Alors. Ça devait être il y a 4 semaines. En tout cas, c'est très très bon. Ouais. Puis ce double bottom là qu'on fait, et on revient tester cette zone de support. Ah, franchement, là, il peut être que haussier. Que haussier. Après, c'est pareil, au court terme, les gars, vous voyez comme ça monte fort. Faites gaffe. Moi, j'aimerais bien qu'il nous déroule une tendance comme on l'a eu ici pour ceux qui étaient là été 2020.
où en fait, il montait toutes les semaines, il montait, et il corrigeait tranquillement, il montait progressivement. Donc c'était très sain comme hausse, ici-là. Alors, on avait pratiquement zéro bougie rouge, mais c'était très sain. Vous voyez, on faisait pas des gros pumps comme là. On en a fait quelques-uns, mais la plupart, c'était assez correct. On faisait des bougies assez correctes. Et du coup, on montait progressivement, et ça, c'était bon. Et je préfère qu'on fasse ça que des grosses bougies comme ça. En tout cas, ouais, c'est HSB, c'est vraiment pertinent. Je pense 200%, ouais, 300, 400, c'est faisable. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités, hein, c'est un truc de fou. Ah, pendant bull run, c'est l'argent coule à flot, ouais, clairement. C'est trop bien. Le cake, il est très très haut, ouais. Il y en a trop, les gars, il y en a trop. Il y en a trop. Merci Pipou pour ton, pour ton sub. Pipou. 00 Pipou, 00. Oh, vous êtes nombreux, on est 900. Je l'ai même pas dit en vidéo. J'ai lancé le live avec 30 minutes de retard, vous êtes quand même 900, super. Mais je suis en train de boucler la formation là, comme je taffe de ouf. Pas mal taffé aujourd'hui. Donc je pense réduire un peu les lives, peut-être en faire deux par semaine au lieu de trois. Vu que ça me prend beaucoup de temps. Vet, on va aller voir Vet. Mais c'est vrai que trois lives par semaine c'est quand même pas mal. Mais ça fait un peu beaucoup quand même. A voir. Ah, Vet aussi, regardez, c'est parfait. Hein. Franchement, Vet, je pense que j'ai donné l'un des plus beaux signaux que je pouvais donner sur les cryptos. Parce que Vett, personne n'en parlait là, durant je sais pas combien de temps. Et même moi, hein, j'en ai pas parlé pendant longtemps, pendant plus de 30 jours, pendant tout le mois de janvier, j'en ai jamais parlé. Parce qu'il était pas intéressant en fait, graphiquement. Et truc de fou, vous pouvez aller voir les vidéos, de toute façon, je pense que la plupart vous l'avez vu. Et ah oui, j'avais parlé de Strong Ascendant, disant qu'on avait la target ici, finalement on l'a explosé carrément. Et là aussi, franchement, les gains que j'ai pu personnellement faire, c'était fou. 80% et même... J'ai pris position par ici, ça fait 100%, c'est hallucinant. Et le plus beau, franchement, c'est VETTH, c'est un truc de fou. J'étais mitigé quand on était en bas. J'étais plus perdant quand même pour qu'on explose, hein, c'est ce que j'ai plus ou moins prévu, mais j'étais pas convaincu à 100%, quoi, parce que je l'avais jamais vécu dans le passé, ça. Donc j'étais pas sûr à 100% que ça allait péter. Mais il y a quand même plus de chances que ça pète que ça pète pas. Si on gère une zone de support comme ça, le cours le retient très très bien, hein, dans le passé. Et ouais, c'est hallucinant, hein, comme le cours, il a retenu cette zone de support, VETTH contre TH. On l'a à peine touché, paf, on est parti. Et on n'est pas parti doucement, on est parti très très fort. Et pour moi, en fait, c'est toujours haussier, parce que là, vous voyez, on corrige légèrement. Mais regardez dans le passé, vous voyez, c'est pareil. Là, on corrige, et finalement, on repart. Là, on corrige, on repart. Regardez, on monte très fort, on corrige, on repart. Donc là, il n'y a aucune raison qu'on ne reparte pas. Donc, VET, ouais, c'est toujours haussier, au niveau du court terme. Court moyen terme. Beacon Cash. Beacon Cash. Va voir le tweet que j'ai mis du live de lundi. Beacon Cash, c'est un shitcoin. Après, graphiquement, au court terme, pourquoi pas. Mais bon, il est pas très intéressant. Dacro, je connais pas. Il va monter encore VETTH. Bah, logiquement, oui. Logiquement, oui. Si tu regardes le passé, en général, dès qu'on venait toucher cette zone de support, c'était pas pour rien, quoi. On venait la toucher, puis on explosait. Donc là, on a bien explosé, mais... Je vois mal, en fait, le cours revenir sur la zone de support comme ça. Pourquoi pas, hein. Mais ce serait assez étrange quand même. Il y a d'autres choses qui partent en temps saucière là face à ETH. Donc on va voir ce que ça donne. LTC. Il y a un W en H4. On va voir. Un W en H4. Après c'est du H4, hein. Je suis moins fan du H4. C'est pas mal, mais c'est trop court terme, je trouve. Oh, ouais, intéressant. Tu vois, là, LTC, tu peux mettre, je pense, un trade. Au niveau du très court terme. Après, j'ai dit ça, j'en suis sûr, il y a 200 personnes dans le live qui vont le faire. Faites gaffe, les gars, comme d'habitude, mais je pense que ça peut se faire, parce qu'une sorte de figure comme ça en W, c'est vraiment très propre. Et vous voyez qu'on est juste à la cassure, ici, là. Donc, en général, c'est plutôt bon, quoi. Faut reporter ça, le mettre ici, donc... C'est pas mal, franchement, au niveau du court terme, là, au niveau du court terme, c'est pas mal d'LTC. Après, il faut regarder les autres indicateurs aussi. Ouais, au niveau du RSI, on a la place pour monter. Oh, on a cross bullish en niveau du MACD. Le ruban, on est au-dessus, c'est sûr, je pense. On va voir rapidement évoluer le profile. Ouh, mais ça rame. Comment ça se fait? Ah, mais je suis sûr. Faut que je mette sur la Livebox.
Là, ça a moins ramé. Hop là. Là, ça va être beaucoup mieux. Ouais, on a pas mal de volume de support. Vous voyez que le ruban le tient. Donc franchement, là, LTC, j'ai pratiquement envie de mettre un trade. J'ai pratiquement envie de mettre un trade. Et c'est pareil, il faut faire le risque. Personnellement, je mettrai mon stop loss assez serré, je pense. Après, LTC est quand même assez volatile au niveau du court terme. Donc, vous voyez, sur un W, c'est ça aussi qui est pigeur, c'est qu'ils vont chercher les stops. Et là, il peut descendre avant de faire comme ça. Regardez, on a eu le cas sur Océan. Et ça, ça en a piégé beaucoup, clairement. Alors lui, c'est en weekly. Mais regardez ça. On avait un joli W. On est arrivé au top. Et finalement, on a baissé de moins 30%. Et là, on est parti. Du coup, tous les gens qui avaient mis leur trade ici, avec leur stop loss ici, bah, ils se sont fait bouffer leur stop. Et après, c'est parti. Donc, très très piégeur le marché. Hein, faire gaffe. Vous pouvez trader sans stop aussi. Hein, ça peut marcher, mais... C'est, ça prend de gros risques. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, en tout cas... ouais, ça me paraît pas mal. Il est où le cours actuellement? Il est là. En plus, là, il est sur une bougie rouge. Vous pouvez mettre votre stop un peu plus bas, aux alentours de 3% de baisse par ici. Moi, je le mettrais même par ici, là, au niveau du pic qu'on avait ici. Et après, le take profit... là, vu que c'est logarithmique, c'est un peu pareil mon truc. Non, ça va. Pas très précis, hein, je vous accorde. On ferait comme ça. Là, on peut viser 200. Faut toujours mettre un peu en dessous de la target. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur take profit puis dessus. Vous voyez, 14% pour 3% de baisse, 4%. Ça fait un ratio risque-récompense de 4 environ. Donc c'est très très positif. Ça, ouais, ça se fait. Et en fait, si vous voulez, ce trade, il va peut-être pas être gagnant. Mais le fait de répéter ce nombre de trades avec le bon gestion de ratio récompense, enfin le ratio risque-récompense qui est correct, avec votre capital qui est correct, et bah au long terme, sur 100 trades, 200 trades, 300 trades, et bah c'est là où vous allez être gagnant. Sur 10 trades, peut-être vous n'allez pas être gagnant, mais sur 100 trades, c'est sûr, c'est qu'on est probabilité. Sur beaucoup de trades, bah, ce sera gagnant quoi. Parce que sur ce genre de trade, vu que vous avez les probabilités avec vous, vous avez toujours peut-être 51% de chance de gagner. Mais 51% de chance de gagner sur 10 trades, ça change rien. Mais sur 100 trades, bah, ça fait grave la diff. C'est comme ça qu'on est gagnant. Après, c'est pas le genre de trade que je fais personnellement. Parce que c'est du court terme, quoi. C'est du court terme et donc il y a beaucoup d'émotions. Faut être constamment devant les écrans. Et surtout, faut être à l'affût, quoi. Et connaître tout par cœur, les stratégies, le ratio risque-récompense, tout ça. Mais ça peut être intéressant parce que je le fais personnellement avec des petits capital comme j'ai pu le faire avec Femex, là, sur. Que je vous ai montré tout à l'heure. Avec le Bitcoin. Mais personnellement, moi, j'ai pu se réfugier, par exemple, une plus grosse partie de mon capital que je vais transférer en altcoin ou alors en Bitcoin pour surfer des vagues de hausse comme ça, au niveau du moyen terme. Et avec du levier x2, par exemple, sur du long terme. Et ça, par contre, ça rapporte beaucoup plus, mais ça met un peu plus de temps, quoi. Ça se fait pas sur quelques jours, sur quelques heures. C'est deux styles différents. Mais personnellement, j'ai déjà fait les deux pendant longtemps et je préfère largement les grandes tendances, surfer par exemple les altcoins, surfer un peu plus ETH face au Bitcoin, ou alors mettre du levier par exemple juste x2, mais sur du long terme. Et je gagne bien plus en faisant ça qu'en faisant plein de petits trades comme ça au niveau du court terme. Ouais, c'est pareil, vous voyez que le trade que j'ai mis là, il y a à peu près 4 de ratio risque-récompense. Donc si ça monte, je crois que je prends 20%, un truc comme ça avec le levier. Ah non, c'est x10, moi je prends 200%, c'est énorme. Non, combien je prends? Je sais plus, faut que je regarde. Ouais, 8%, ça fait levier x10, ça fait 80%. Donc je récupère à peu près 500$, mais s'il baisse, je perds à peu près 100 et quelques dollars, je crois. Donc si je le perds ce trade au court terme, et ben, sur, en fait, si je répète ce même genre de trade sur 10 trades, peut-être que je serai perdant. Mais je suis sûr que je le répète sur 100 trades, je serai gagnant. Parce qu'au long terme, ça va être bon. C'est vraiment ça qui est important. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais... Ouais, on va aller voir Compound. Compound. Intéressant en tout cas, LTC. Pour le court terme. On va lui mettre une petite pastille. Pastille bleue. Là, il a une bonne zone de support, j'ai l'impression. On va en délit. Effectivement, ah ouais,
a une zone de support ici. Il y a une clôture. On a eu celle-là, celle-là, celle-là. On a eu trois. Très intéressant. Les mèches sont descendues très bas, mais en tout cas, ça tient. Ouais, volume, ça va. Non, c'est pas ça que je vais voir. C'est pas ça non plus. Ah, ben, en dessous. En délit, ça donne quoi? On est venu le chercher, je crois. On est venu chercher la première, même la deuxième. En délit, quand même. Au niveau du RSI, ça donne quoi? Moi, c'est pas trop mal. Ah ouais, par contre... Ah ouais, ça, c'est pas bon. Ça, ça me fait peur. Vraiment, les croisements berriges comme ça sur la masse des Andelis. Ah, ça me fait peur. Ça pourrait être pareil qu'Ethereum. Vous voyez? Ah, c'est pareil qu'Ethereum, c'est un truc de fou. Ethereum, on est pareil. On est un croisement bullish en H4, et en Andelis, on est un croisement berriche. Hallucinant. Moins 20%, ouais. Ce qui me fait peur sur Compound, là, c'est que... Je sais pas si vous voyez pareil que moi, mais ça forme une sorte de M. Et la dernière fois qu'on a fait un M sur Compound, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Alors ça remonte, hein, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui étaient là, mais c'était ici. En août 2020. On a fait un M, mais il était énorme. Et regardez par la suite. Boum. Descente aux enfers. Regardez ça. Moins 70%, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et le pire, c'est que là, on est exactement dans le même contexte. C'est-à-dire que là, on a eu une alt season durant cette période, donc Compound a explosé. Et après, durant tout septembre, là, à partir de, vous voyez, début septembre jusqu'à novembre, décembre, et ben on a eu la Bitcoin season. Et du coup, même si le Bitcoin il montait, il faisait genre 10%, 5-10% par jour de hausse, et ben Compound il faisait que descendre, que chuter. Et c'est ça qui me fait peur, parce que vu que là on est en train de se retourner, en train de passer en Bitcoin season, j'ai peur que tous les altcoins fassent pareil qu'en septembre, et ils descendent tous ou ils stagnent un peu, ils font pas grand chose, et il n'y a que le Bitcoin qui se performe. Donc là, Compound, ouais, je suis mitigé. Je pense qu'on peut descendre bien plus bas, ouais. Voir si on fait moins 70. Ah ouais, on porte très cher, hein, mais c'est tout à fait possible. Si on a une big cut season, il peut clairement descendre. Quand tu passes les altcoins en bitcoin... D'abord, ceux qui ont fait les grosses performances, bah en fait, ce que je fais en général quand il y a une season, tu vois, là au mois de début janvier, j'avais pris mes bitcoins que j'avais sur ma ledger, je les ai envoyés sur Binance et j'avais, tu vois, un nombre fixe de bitcoins. Et mon but c'était de superformer ce nombre fixe. Et du coup, je mettais dans les altcoins, je superformais bitcoin et après je remettais dans bitcoin, tu vois. Là, j'ai remis dans bitcoin. Donc au final, mes alts long terme que j'ai, tu vois, je diversifie bien mon. Enfin, je. Pas je diversifie, mais. Je sépare bien mon portefeuille long terme, tu vois, mes altcoins long terme que je garde et que je vends pas, et mes altcoins que j'ai juste pour quelques saisons. Du coup, je m'en suis bien sorti parce qu'au final, j'ai pris de mes bitcoins, je les ai mis sur Binance, j'ai acheté les altcoins, je les ai revendus, et là, du coup, je me retrouve avec beaucoup plus de bitcoins que j'avais mis sur la Binance de base. Donc, l'important, c'est pas de gagner des dollars, mais c'est de gagner des bitcoins. Ça, c'est important. Parce que si vous prenez des altcoins qui font 10% mais que le bitcoin fait 20%, ça sert à rien de rester en bitcoin. Faut vraiment trouver les altcoins qui superforment Bitcoin. Il y a Inch qui est pas mal, ouais, parce qu'il est en bas de son range, donc ça peut être une prise de position intéressante, le bas du range. En général, j'ai trois prises de position dans ce genre de range horizontal. C'est en bas du range, au break du range et au pullback du range. Et le bas du range est très risqué, mais il peut avoir énormément de rendement. Le break est aussi un peu risqué, mais vous pouvez avoir pas mal de rendement aussi. Le pullback pouvait avoir équivalent de rendement à celui-là, donc autant de rendement qu'au break, mais par contre vous avez très peu de risque, quoi, parce qu'en général quand on fait un pullback comme ça, c'est très prometteur. C'est comme ce qu'on a sur RSR. Donc à voir. Là on est en bas du range, donc ça peut être un très très bon rendement si par la suite on arrive à s'extraire vers le haut et on part, mais par contre il y a un peu plus de risque. Parce qu'on peut casser le range au niveau de la baisse. Si on part en Bitcoin Season, c'est du chaud pour les accueils. Dente, j'ai complètement mis de côté, j'ai déjà tout revendu. D'NT, tout ce que j'attends, c'est qu'il baisse. Là, je le regarde plus. Ah, il arrive à consolider. C'est bizarre qu'il ait pas plus crashé. Ça m'étonne. Vous voyez, regardez, là, il s'était pris 47% de baisse. Là, il s'était pris à peu près 47% aussi. Et là, il est seulement à 26%, quoi. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il descende encore plus bas, qu'il vienne ici, et là, il range. Mais bon, pourquoi pas, hein. En tout cas, D'NT, j'en suis fier. Lui aussi, j'en suis fier.
pris position sur les 11 centimes, j'ai revendu ici, ici, et j'ai même pu revendre ici. lui, il était chaud. Hein. C'est ma dernière target. KDNT, là aussi, putain, c'est fou. Bénéfice, et là, mais c'est incroyable hein, en termes de gains. Je ne sais pas si vous rendez compte, mais c'est 100, 200 et 300%. C'est énorme en quelques semaines, mais c'est énorme. Donc là, DNT, je m'en éloigne, je regarde pas du tout. J'attends juste une longue consolidation. De au minimum, minimum, 2 semaines de consolidation. Ou sinon, je rentre pas. Là, on a combien? On n'est même pas à 4 jours. Donc minimum, à partir du 28 février, fin février, je commencerai à m'intéresser. Et si je vois qu'elle a bien consolidé, eh ben, je prendrai position pour faire la prochaine vague de hausse. Si bien sûr, il y en a une. Si bien sûr, il y en a une. Si Beacon Season, ETH et Link vont chuter ou pas? Oui. Oui. Clairement. Regarde. Je vais te montrer un truc. Il y a que le Beacon hein, qui se performe, que ce soit ETH, Link, LTC, il y a tout le monde qui un peu la ramasse. Regarde ETH, BTC. Donc quand la courbe monte, ça veut dire que ETH superforme Bitcoin. Quand la courbe baisse, ça veut dire que Bitcoin superforme ETH. Regarde, Alka Season, ETH est complètement superformé Bitcoin. On arrive à la fin de l'Alka Season, on passe en Bitcoin Season. Regarde ça. On n'a fait que chuter. Bitcoin a complètement superformé ETH. Et tu vois, là, on est reparti en Alka Season. Donc, j'ai pris position ici et ici. Donc c'est très bon. Et là, vous voyez, c'est pour ça que je repasse en Bitcoin, parce qu'on arrive vers le haut. Et on s'est déjà retourné là depuis quelques temps. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que voilà, on fasse que baisser, on revienne ici. Et que du coup, BTC superforme l'entièreté de la map. Que ce soit ETH, les petits altcoins, n'importe quoi. Et en général, quand vous voyez les altcoins comme ça qui pump là depuis quelques semaines, ils font des 100, des 200% dans tous les sens. C'est il y a forcément avoir un retour de bâton quoi. Et c'est toujours pareil, hein, vous voyez que Bitcoin, vous pouvez faire un x4, mais vous avez peu de risques. Dans le pire des cas, vous pouvez vous prendre à moins 25, moins 30%. Les altcoins, faut bien vous dire en tête, faut bien vous mettre en tête que si vous pouvez faire du 100%, 200, 500% comme on a pu le faire avec Uni ou d'autres altcoins comme GRT, et ben c'est que par la suite on va pouvoir se prendre aussi à moins 70, moins 80%. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours pareil. Et ouais, je suis de moins en moins exposé aux altcoins, pratiquement plus. Et je pense que ma théorie elle tient hein, vraiment sur Bitcoin Season. Hein. On va voir ce que ça donnait, mais personnellement, j'y crois. Et Link, si on regarde, Link, c'est pareil. Je m'en souviens très bien, septembre, il avait commencé à crasher légèrement. Tu vois, regarde, août, on arrivait au top. C'était au top de la season. Puis après, fin août, début septembre, complètement crashé. Et tu vois, il a fait que descendre. Après, on a réussi à se reprendre, mais là, tu vois, Bitcoin Dominance, ça a commencé à stagner un peu. Mais je pense pas que ce sera aussi violent que la Bitcoin Season qu'on a eu en septembre. Septembre, octobre, novembre. Parce qu'elle était violente, hein. C'était costaud. Regardez ça. Au niveau de la courbe. On est passé de 89, 90 à direct 11. Et c'est descendu verticalement. Donc c'était chaud. Là, c'était vraiment le Bitcoin qui superformait toute la map. Donc je sais pas quand on va se retourner déjà. Mais quand on va se retourner, moi, on risque de descendre. Et je sais, pareil, je sais pas du tout si on va descendre vite ou avec plusieurs paliers tranquillement. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que quand ça descend comme ça, ceux qui étaient en altcoin pendant cette phase, ils pleuraient clairement. Parce que tous les altcoins, ils se prennent des moins, 10, moins 70, moins 60%, moins 50%. Alors que le Bitcoin, lui, faisait 10% par jour. Donc, c'est vrai qu'il faut pas en abuser des altes. Faut pas en abuser. Oh, le Zen. Je vous avais montré ce triangle ascendant en vidéo. J'étais quasi sûr qu'on allait chercher la target, mais alors je pensais pas qu'on allait monter aussi haut. Incroyable. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui l'ont pris ce trade, mais 30% là, et là jusqu'à là, c'est 100%, c'est hallucinant. Pancake, ouais, il est vraiment intéressant. Surtout le projet qui est cool. Mais il nous fait une bougie aujourd'hui, mais c'est pareil, rentrez pas là-dessus si vous êtes pas rentré. Attendez un retracement, c'est toujours pareil. En tout cas, le Bitcoin, il régale. On a combien sur le Bitcoin? 52 000. Ah, la clôture de soir, elle va faire plaisir. Elle est quand? Elle est à 1 heure, à peu près. Elle est dans pas très longtemps. Faut juste qu'on clôture au-dessus du biseau ici, au-dessus des 51 000. Et tout est bon. Ave. Oula. Tu vois, là, ça me fait penser à une Big Cut Season. Regarde ce qu'on fait sur Ave.
Tu vois, là, ça se voyait clairement en internal case season, parce qu'on consolidait, on montait, consolidait, on montait. Mais là, tu vois, c'est chaud. En vrai, on peut le décaler comme ça, mais ça fait une grosse consolidation, quoi. Donc à voir. Je sais pas si elle se reprend, mais personnellement, je miserais plus sur une chute des alts face au Bitcoin. Après, tu regardes, tu vois, ici, alors malheureusement, on n'a pas eu, parce qu'il y a eu le swap, là. Mais je peux te dire que septembre, tu vois, par ici, septembre, on a fait que chuter. Et après, on arrive à la fin de la case season, vers novembre, puis on a pu se reprendre. On a fait que chuter. Et c'est pareil, là, vous voyez, on fait un 2000%, les gars, on fait un 2000%, non mais sérieux, je pensais qu'on était à 500%, mais non, on a 2000%, c'est un truc de fou, 2000%, je suis dégoûté, à l'époque, j'en ai acheté pour 80€, et c'était même pas ici, au mois de novembre, c'était au mois de juillet, ça valait rien, 80 ou 100€, je sais plus, et au final, aujourd'hui, ça vaut plusieurs milliers d'euros, mais si j'avais su, mais tout ce que j'aurais mis. Elle a fait péter le livreur. Et 2200%. Les gars, on peut pas monter à 2200% sans avoir une grosse correction. Tout ce qui monte trop fort redescend aussi très fort. Mais du coup, il faut mieux conserver ses alts pour l'après Bitcoin Season ou les vendre, quitte à les racheter plus cher plus tard. Là, en fait, les altcoins, ils vont pas forcément monter. Hein. En général, quand Bitcoin Season, les altcoins, ils chutent. La dernière alt season qu'on a fait septembre, octobre, novembre, Bitcoin il montait et les altcoins il chutait. Donc je sais pas. J'ai pas envie de vous induire dans vos investissements, mais il faut vraiment faire par rapport à vous. Mais personnellement, moi je suis plus positionné là, sur Bitcoin depuis quelques semaines que les altcoins. J'essaie de m'en écarter au maximum. Même s'il y a de très belles patterns, comme le bend, Omisego, tout ça, c'est super bien. Et voilà, ça me fait peur quoi. Ça me fait peur et je pense que la Bitcoin Season va revenir. Parce que après chaque Hack Season, on a une Bitcoin Season. Et en fait, beaucoup de gens se font piéger parce qu'ils rentrent sur la Hack Season quand on arrive au bout de la Hack Season. Parce qu'en fait, la plupart des personnes sur le marché vont attendre que tout soit ouvert, que tous les voyants soient good, que tout est monté pour investir. Pour être sûr, pour se dire, ok, là c'est bon. Et en fait, c'est pas ça, il faut réussir à faire l'inverse. Et comme moi je parlais d'Hack Season sur la chaîne YouTube, pour ceux qui étaient là, c'était quand? C'est décembre par ici. Et quand était entre les 25, il n'y avait aucun voyant qui disait c'est parti pour Hulk Season. On avait juste cet indicateur, mais vu qu'on avait fait une grosse Bitcoin Season, logiquement, parce qu'après c'est une Hulk Season, donc on devait se placer sur les icônes pour s'en faire une Hulk Season. Mais il n'y avait rien qui était ouvert pour se dire bah c'est bon, les icônes sont en train de super former. Et ça le problème, faut réussir à se positionner quand tout est rouge pour s'en faire le vert, et après quand tout est vert, se positionner de l'autre côté. Donc quand on est tout en haut de la queue saison, il faut se positionner sur Bitcoin Season, inversement. Mais c'est très... c'est beaucoup de la psychologie, j'ai l'impression. C'est plus savoir bien gérer ses émotions, être très rationnel, c'est-à-dire, bah, dès qu'on arrive à ce point, je passe comme ça, et pas se dire, oh, peut-être ça va monter, et suivre son intuition. Parce que si vous suivez vos intuitions sur le marché, vous êtes foutus, c'est la fin. Donne pas de conseils les gars, normalement ça bug pas. Je vois que ça bug. D'après le graphique, on est plus en queue saison. Ouais, mais on arrive à la fin en fait de la queue saison. Regarde, si tu veux, en mois de décembre, j'avais dit sur YouTube que personnellement j'aime placer beaucoup en altcoin parce que on était carrément de temps bas, tu vois. En fait, il faut se positionner sur les altcoins quand on passe en Bitcoin saison là, en dessous des 25, et il faut se positionner en Bitcoin quand on se rapproche de la queue saison là, au-dessus des 75. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bout. Tu vas pas te positionner sur les altcoins ici quand on est entre guillemets en Hack Season, alors qu'on va se retourner, tu vois. Faut se positionner avant qu'on est ici à 25 pour surfer toute la vague de hausse. Et donc, tu vois, c'est ce que j'ai personnellement fait quand je me suis positionné ici sur les altcoins. Alors, en plusieurs fois, comme d'habitude, en dessous des 25, puis après, j'ai eu les confirmations vers les 20 et quelques, 25, 27, 30, puis je me suis positionné à fond, paf, les altcoins ont explosé, comme prévu, entre guillemets. Et là, vous voyez qu'on se rapproche des 75, donc petit à petit, je commence à. Depuis quelques semaines, je commence à me repasser en Bitcoin. Mais c'est très compliqué à savoir à quel moment c'est le meilleur moment pour repasser en Bitcoin ou en altcoin. Du coup, il faut le faire vraiment par palier. Du coup, là, vu qu'on se rapproche des 75 et du top, voilà, regardez dans le passé, à chaque fois qu'on se rapproche, vous voyez, regardez, on se rapproche de là-haut, paf, on se retourne, on part en Bitcoin Season. Là, pareil, on se rapproche, on part en Bitcoin Season, on part en Bitcoin Season, regardez, on part en Bitcoin Season. Donc, vous voyez qu'on commence à se rapprocher par ici. On peut se retourner avant aussi, hein, regardez dans le passé. Vous voyez que là on s'était retourné avant, là aussi on s'était retourné à 72.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir pour palier, parce que on peut très bien trouver notre top à 67 comme on peut le trouver plus tard à 75, et ça personne ne sait. C'est pour ça qu'il faut toujours faire pas palier. Et donc là, logiquement, vu qu'on est en haut, on devrait se retourner, repasser en big cut season. Et après là, quand big cut va super fin et tous les altcoins, on va revenir en bas, voilà, il faudra re-se positionner en altcoin. Mais personne ne voudra se repositionner en altcoin ici. C'est comme pendant cette phase, en mode descente, personne ne voulait se positionner sur les altcoins. Pourquoi? Parce que Bitcoin n'avait fait que superformer. Donc on avait l'effet psychologique, l'effet biaisé, entre guillemets, disait que Bitcoin était plus fort que les altcoins. Et là, c'est la même chose. Si vous voulez, les altcoins, ça fait 2 mois qu'ils font monter et qu'ils superforment Bitcoin. Je veux dire, un nouveau qui arrive depuis 2 mois sur le marché, depuis fin 2020 ou depuis début 2021, là, depuis Noël, Nouvel An. Il arrive, il voit que les altcoins super formés, les altcoins qui font 20-30% par jour de hausse, alors que Bitcoin il fait pas grand chose, forcément il va se positionner sur les altcoins. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça fait des cycles et que ça change. Donc ça, c'est vraiment l'expérience de marché, et très très important, et de toute façon ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Il faut passer du temps sur le marché, il faut se prendre des baisses dans la tronche, il faut faire plein d'erreurs pour réussir à faire quelques gains. Et même moi aujourd'hui, je suis loin de réussir. Alors je fais des bons gains, mais je suis loin de tout savoir. Il y a plein de choses où je fais des erreurs, et c'est tout à fait normal. Et personne au monde va savoir exactement quand se positionner, quand vendre, etc. BTT, vous m'avez demandé. Je connais pas du tout la crypto, et niveau graphique, ça me dit pas grand chose. Rien de fou, hein. Clairement, je suis plutôt baissier. Hein. Pourquoi? Parce que, au niveau du récit, ouais, ça reste correct, on voit 10-70, mais regarde le MACD. On va cross-bearish au niveau daily. Alors, on a encore un peu de marge, mais bon, ça sent pas très bon. Je sais pas. On aurait été en quelques season, je t'aurais dit pourquoi pas, tu vois, on consolide, pourquoi pas. Ça fait une semaine à peu près. Donc, pourquoi pas se positionner dessus, mais bon. Si on a une Bitcoin season, c'est pareil, lui, il va se retourner assez violemment. Ici, tu vois, on a eu quelques saisons, du coup il est monté. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les altcoins montent durant quelques saisons. Puis dès qu'on a eu la Bitcoin season, paf, il s'est retourné. Et on s'est pris à moins 50% de baisse. Donc là, je dis pas que ça va faire pareil, mais il y a plus de chances qu'on se fasse à moins 50% de baisse que qu'il continue à monter ce token. Après, je connais pas du tout le projet, donc je sais pas. Cake, oh mais c'est incroyable. Le cake qui monte à 50% de hausse. En une journée, c'est fou. En 3 jours, là, il nous a fait 100%, les gars, mais 100%. 100%. En 3 jours. Comment c'est possible? Après, c'est une petite capitalisation. Je sais plus où j'ai acheté. Ah si, je l'ai acheté sur Binance, avec le BUSD. Mais il est faible, en termes de market cap. Mais 100%, c'est fou. C'est fou. Ouais, on va sortir un peu du trading view. C'est pas mal là, niveau du court terme. Niveau du court terme, on est pas trop mal. Ok, on a rien au niveau des news. BNB qui pète tout, le Cro, Kusama, le Tot qui est pas mal. TH qui est un peu la ramasse, vraiment, TH, surveillez-le. Après, on a un croisement bearish en délice, pas très bon, mais surveillez-le quand même. Et Bitcoin, oh là là, ça c'est beau. Par contre, on va avoir une Bitcoin dominance assez élevée, on risque de retourner vers les 70 si jamais on part en Bitcoin season. Ouais, Cake il burn comme BNB, il me semble aussi. FTM, ouais, je vais aller voir après. J'ai eu un notif du live en retard. Oh non, en plus, j'ai lancé en retard le live. Mais c'est pas grave, t'as la rediff sur la chaîne YouTube secondaire. Est-ce qu'il a marché? Ouais, ça va, il a pas marché. Oh, cette vidéo, j'ai déjà mis 2 fois, mais il m'a tué. What you know, pump it up. Oh, il a fait nouvelle musique, non? Ah, peut-être pas. C'est une de ses anciennes. Si vous le connaissez pas, lui, sur YouTube, il fait des bons petits trucs, c'est drôle. Il fait des musiques, ça me tue. Ah si, il a sorti une il y a 1 heure. All the beer, are dead. Lui, à mon avis, a lui d'être millionnaire, c'est sûr.
vu tout ce qu'il met en costume et tout, genre son nombre de vues là, ça lui rapporte rien du tout, donc il est grave perdant. Les gars, je vais lui mettre un commentaire et vous allez tous le liker. Faut qu'on fasse du bruit. C'est un américain. Qu'est-ce que je peux mettre? Je suis éclaté en plus en anglais. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bitcoin to the moon. Bitcoin to the moon. Allez les gars, allez likez-moi ce commentaire qui le voit. Ce serait trop cool qu'on fasse un truc ensemble un jour. Et lui il fait que de la musique en fait, je crois. Il y en a une, c'est trop bien. C'est avec quelle qui m'a vu. Celle-là, elle a fait 100 000 vues quand même. C'est énorme. C'était le 5 novembre. Bah, ah, le 5 novembre, ça remonte. Long the ponds, yeah. Everybody, yeah. Long the ponds, right. Yo. Bitcoin's back, alright. Il est chaud quand même, hein. Parce que je serais incapable de faire ça. Donc, elles me font bien rire à chaque fois ces musiques. En plus, le 5 novembre, on était assez bas, hein. Mais ça faisait du bien. Vraiment, le 5 novembre, c'était un des premiers pumps qu'on ait fait. Ah, ça faisait du bien, vraiment. Pour ceux qui ont connu la période d'accumulation, quel plaisir. C'était où le 5 novembre? C'était là, je crois. Non, c'était là, alors. Ah, c'est ça, 5 novembre. Quand on a eu le pump ici, il a mis sa vidéo. Et on dirait que c'est rien du tout, hein. Regardez, par rapport à tout ce qu'on a eu. Mais je vous promets que, oh là là, un 50% comme ça de hausse. Ah, vous imaginez pas, mais se taper un bear market comme ça pendant 2 ans, ensuite se taper pendant 2 ans aussi un putain de période d'accumulation où ça fait rien, et après se taper un 100% de hausse comme ça en quelques semaines, mais quel plaisir. Là, vraiment, c'est un plaisir, hein. Depuis septembre, c'est trop bien. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés là durant Bullrun, et c'est tout à fait logique parce qu'à chaque Bullrun, de toute façon, il y a de plus en plus de monde qui rentre. Et de toute façon, regardez par exemple l'évolution de ma chaîne, c'est hallucinant. Pour une période d'accumulation, pendant 1 an, j'ai fait des vidéos, on gagnait 20 abonnés par jour. Et dès qu'on arrive ici au Bullrun, paf, c'est passé à 100 000 abonnés par jour, c'est n'importe quoi. Et ça a continué. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que là, ça monte énormément parce qu'on est en Bullrun. Mais après, quand on va se retourner, on va partir en bear market. Ah, ça va faire peur, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, ils vont pas comprendre ce qui se passe, parce que la plupart vont être habitués à ce bullrun, à faire que ça monte tous les jours, et quand on va passer en bear market, ça va faire très très mal. Mais de toute façon, moi je vous dirais qu'on fera sortir, etc. Alors, pas au... enfin, peut-être au top, parce que j'ai les bons indicateurs, mais pas très loin en tout cas du top. Et après, ce qui va être chiant aussi, c'est la période d'accumulation. La période d'accumulation, on peut faire des bons trades, mais c'est pas le bullrun, quoi. La période d'accumulation, c'est... c'est ça, quoi. Et ça dure 2 ans, et c'est chiant, il y a rien à faire. Enfin si, on peut passer quelques trades, mais c'est pas la folie comme le bullrun, quoi. Donc c'est un peu long. Mais au moins, ça forge, mais ça donne de l'expérience de marché. Et personnellement, quand j'étais rentré sur le Bitcoin, alors j'étais pas rentré, mais j'étais juste, je m'intéressais au marché, pendant la période pendant le bullrun de 2017, ça faisait que monter, c'était la folie et tout, tout le monde s'ambiançait. Et là on arrivait au top, on a fait notre bear market, c'était désespéré, là c'était désespéré, vraiment là, plus personne n'y croyait, et après on a réussi à repartir, on a tous cru que c'était reparti en bullrun finalement, on s'est fait recaler, et après grosse période d'accumulation, c'était assez long, assez chiant, et là quel plaisir de retrouver ce bullrun, ça fait 4 ans qu'on attend, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. XRP. Je suis pas trop fan de XRP en ce moment. Je garde au long terme, mais je me positionne pas dessus au niveau du court moyen terme. Tu expliques comment le principe de bear market, accumulation, bullrun. Ça, tu expliques avec l'halving. Alors, c'est pas forcément que l'halving, mais en grande partie, ça y joue. Alors, regarde bien, tu vois, chaque trait rouge, ça représente un halving. Un halving, c'est un cycle.
Et si tu remarques bien, tu vois, on a eu notre premier halving, entre guillemets, ici, mais tu vois, il n'est pas parce que c'était le début du Bitcoin, tu vois, et on a eu direct un bull run. Bear market, accumulation. Et à partir du moment où tu vas chercher la date du halving, ici, tu repars en bull run. Bear market, accumulation. On vient toucher le halving, bull run. Bear market, accumulation. On vient toucher le halving, bull run. C'est incroyable, hein. Donc là, ce qu'on risque de faire, c'est continuer à monter, par ici, bear market. Et ensuite... Tac. Et ensuite, une fois qu'on a fini notre bear market, période d'accumulation, on arrive au halving de mai 2024, et la bull run. À chaque fois, c'est pareil. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, la récompense de minage est divisée par deux. C'est-à-dire que là, quand un mineur minait un bloc de bitcoin, il gagnait 50 bitcoins en récompense. Et là, ça a été divisé par deux du jour au lendemain. Donc là, il gagnait plus que 25 bitcoins par bloc miné, au lieu de 50. Et là, ensuite, 12,5. Et là, on est passé à 6,25. Et donc, le fait que les mineurs gagnent deux fois moins, bah, du coup, automatiquement, le prix, il monte pour que les mineurs soient toujours rentables. Alors, c'est pas exactement comme ça, tu vois, là, je t'explique très vaguement. Et c'est pas vraiment la vraie raison derrière, mais la vraie raison, c'est que vu que t'as une récompense de minage qui est divisée par deux, ça... Comment t'expliquer? Comment t'expliquer? Ça réduit, en fait, entre guillemets, le nombre de bitcoin qui est miné. Je sais pas si tu comprends. Parce que le nombre de blocs que tu mines, c'est toujours la même chose. En un cycle, en 4 ans, tu mines 210 000 blocs. Donc là, tu mines 210 000 blocs, 210 000 blocs, 210 000 blocs. Donc tu mines toujours le même nombre de blocs par rapport au temps. Ah, merci pour ton sub, Omelette au fromage, d'avoir offert un sub. Et merci pour ton sub, pas de panique. Pas de panique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le nombre de blocs minés, c'est toujours le même, peu importe la time frame. Mais ce qui va faire monter le prix et faire un bull run, c'est que tout simplement la réduction de Bitcoin est de plus en plus élevée ou faible. Enfin, il y a de moins en moins de Bitcoin qui est miné. Parce que ici, il y a 25 000 Bitcoin par bloc, alors que là, il n'y en a plus que... Non, ici, il y en a 50. Ici, il y a 50 Bitcoin par bloc miné, alors que là, il n'y en a plus que 25. Donc quand ils minent un bloc ici, ils en reçoivent 50. Donc il y a 50 nouveaux Bitcoin qui arrivent sur le marché. Alors que là, il n'y en a plus que 25. Et là, plus que 12,5. Donc forcément, ça met moins de Bitcoin sur le marché. Donc son prix augmente aussi. Mais... Là, tu vois, il y a une grande différence entre 50 et 25. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un bull run énorme, tu vois, en termes de pourcentage. Mais là, vu qu'on passe de 25 à 12,5, on perd seulement 12,5 de Bitcoin par bloc miné. Or que là, on en perdait 25. Et donc, c'est pour ça que le bull run était un peu moins gros. Et là, vu qu'on passe de 12,5 à 6,25, on en perd plus 12,5, on en perd 6,25. Donc, encore deux fois moins. Donc, le bull run, c'est pour ça qu'il va être aussi moins gros que 2017. Et c'est pour ça que les bull runs sont de moins en moins gros. Et aussi le fait que le marché devient de plus en plus gros. Donc, il y a un... Comment dire, par exemple, vous allez faire moins de pourcentage, par exemple, sur une crypto qui est dans le top 10 que d'une crypto qui est dans le top 1000. Parce que le marché est moins gros, entre guillemets. Mais, ouais. C'est complexe. Mais en fait, c'est un ensemble de choses qui font qu'on a le bull run, le bear market. Et ce qui a été mis en place par ça, enfin, la principale chose qui fait qu'on a des bull run, bear market, accumulation, c'est simplement les halving, comme je t'ai expliqué. Et ça, c'est vraiment un coup de génie de la part de Satoshi Nakamoto, celui qui a créé Bitcoin, d'avoir mis un halving tous les 210 000 blocs. Parce qu'en mettant ça, il avait prévu que tout simplement, ça allait faire des cycles. Et le fait de faire des cycles, bah, c'est très bien. Parce que moi, ça fait de la hype durant les phases, là, où on est en haut du bull run, et c'est là où le plus de monde connaît ce Bitcoin. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Très intéressant. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est vrai que ça a l'air tout con, hein. Quand tu comprends en fait les cycles et les halving, comment ça marche, etc., tu te dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres personnes qui comprennent ça? Et quand on était ici, là, durant cette phase, et j'avais compris les cycles, machin, alors c'est pas moi qui l'avais inventé, clairement pas, ça existait déjà bien avant, mais je l'avais compris, quoi, et j'en parlais autour de moi. Et je disais, vous voyez, dès qu'on arrive au halving, on fait un bull run. Donc dès qu'on arrive au halving, là, mai 2021, vous pouvez être sûr que quelques mois après, on va péter et on va monter à 200 000 et tout. Et beaucoup de personnes me disaient, mais si c'est vrai, tout le monde le saurait. Et ça, c'est faux. C'est vrai, enfin, c'est réel, mais il n'y a personne qui le sait. Et pourtant, c'est réel. On sait très bien qu'à chaque halving, on a un bull run. Et c'était le cas une fois, deux fois, même avant, une fois, deux fois, trois fois. Et là, pour une quatrième fois, c'était sûr à 99% de chances que ça allait aussi arriver. Donc si quelqu'un un jour vous dit
si ça c'est vrai, tout le monde le ferait. Ben écoutez-le pas. Parce qu'il vous dit n'importe quoi. Ouais, le croc, il est chaud. Ah, le BTC il va descendre combien pendant le bear market? C'est compliqué, hein. À ce que j'ai remarqué, en général on fait 80% de baisse. En général, entre 80 et 90. En vrai 85. Regarde, tu vois, ici on a fait 93, premier bull run. Mais ça se réduit au fur et à mesure du temps, tu vois. Là on a fait, pas 93, mais on a fait 84. Et là on a fait 84 aussi, 83. Donc si tu vois, on monte à 200 000 dollars, ce qui est le plus probable, 150 000, 200 000. Et on se prend à 80% de baisse. Tu vois, on revient à 27 000, 30 000 dollars. Donc je pense qu'au bear market, on fera un bottom vers à peu près les 20, 30 000 dollars, à mon avis. On va monter et faire un bottom. Après, c'est un scénario parmi tant d'autres. C'est pour moi le plus probable, mais bon, il y a tellement d'autres possibilités. C'est très compliqué à savoir. En tout cas c'était cool, on était 900, on était 1000 à un moment, on était nombreux. Je crois que j'ai arrêté ici, ça fait un petit live de 1h15, c'est pas mal. Je crois que je vais en faire de plus en plus des petits lives comme ça. C'est un peu mieux. Un peu plus condensé. Ouais, j'ai déjà passé pas mal d'alcool, je pense pas que je vais en faire d'autres. Hop. Où est-ce que c'en est, un petit Femex? 19%. Bon, je pense que ça va être good dans la nuit, j'espère. Ou peut-être pas dans la nuit, mais dans les prochains jours, d'ici à la fin de la semaine. On a passé 13K, tu vois. Ça, c'est cool. Ça, c'est nice. Ça, c'est cool. Oh ouais, on va se quitter là-dessus, je pense. Mmh, on va faire un petit host. Ah, il y a Supral. Il y a Supral. La 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 la. LTC, ah oui, LTC, on l'a vu. Ouais. LTC est très intéressant. Pour ceux qui l'ont pas vu. Alors H4, il a un bon petit truc. Regardez ça. Mais non. Me dites pas qu'il a pump. Ah non, non, non. Ah, quoique, il a fait une bougie verte. Regardez ça, tout à l'heure, on était dans le rouge. Oh. Il se réveille. On était ici, tout à l'heure. Oh, il est en train de partir. En gros, il est intéressant, LTC, sur en train de former son W, donc peut être pertinent avec le take profit ici, 264$. Bon. Où est-ce qu'il faut aller? Ici, gestionnaire de stream. Lancer un petit raid. Attendez, je vais vous mettre la musique quand même. La musique de fin de game. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Trop bien cette musique. Je pense que la plupart vous l'avez reconnu, c'est la musique d'outro de Hit the Road. Bon allez les gars, je vous quitte là-dessus. Allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Je mettrai la rediff dès demain, 24 heures après. Et sinon, bonne soirée à tous. Que la nuit porte conseil. Que la nuit vous porte conseil les gars. Que les cryptos soient avec vous. Mais je pense que demain, on va se réveiller avec une bonne surprise. Normalement, hein, parce que vu la configuration de Bitcoin là, logiquement, on devrait être pas mal ce soir. Je pense. Demain, on devrait se réveiller avec un bon petit coup du Bitcoin, je pense.
Allez, salut à tous. Bonne soirée et dormez bien. Tout ce que je vais vous dire, dormez bien. Made of